This is Fano TV. Everywhere. Everywhere. De toutes parts. Partout. And now. And now. And now. Présentement à Montréal, c'est d'un densément nuageux, tantôt au sol de 5 degrés Celsius. Il y a au nom de tout l'équipage, on se réussit dans la région de Montréal, destination finale. Merci. Et ora. Et maintenant. Don't like, don't subscribe, don't even view. Ne likez pas, ne vous abonnez pas, ne voyez même pas. Non fate like, non abbonatevi, non guardate nemmeno. Telepathy. This is Fano TV. To mostrare, monster, show you, vous montrer, an image within an image. It could be you. First, let me say thanks for joining us. It's good to be with you. Why make a TV show now? What is it about this particular moment? We are looking for another vector to get to you, to show what we already know and how we share in that. What could be the purpose in collecting what we already know? It's more a question of how what we think is produced and in what way we do that together. I need a whiskey. Is that to calm your nerves? No, it's to bring me into the present and to protect me from it. What is a constructed world? You'd have to ask them that. I'm gonna take that as a statement rather than as a question. Are you real? Do you expect us to believe that you're real? I am material, a real body. I have aspiration, but... Is that what's being elaborated here? It's something about or around the subject, rather than being the thing itself. That's what TV is. You're constantly being reminded of that. Huh? What the hell is a 24-hour news service? You don't do me, I do you. Call one, call now, please.
literary theorist Francis Ferguson and responders. How you can capture actions and make them seem as if they are ready to hand now, though they weren't there before. The ready to hand is a consciousness or acknowledgement of the context or environment one finds oneself in. And all the things I'm interested in education, in aesthetics, in pornography, really have to do with ways of squeezing that context so as to produce the possibility of experiences that can themselves be made ready to hand. The ready to hand is an acknowledgement of your environment, the context you're in. Pornography? No, not pornography. Tired of people trying to erase me. Use a disembodied voice. So that sense of co-presence in situations that can plausibly be described as pornographic, for me, is very important. And it's important partially because it's a way of making individuals derive their sense of where power and authority comes from the group itself, rather than from the authority figure running the group. The co-presence of persons in pornography like SODS is absolutely essential, and it's a way of insisting upon the primacy of actual bodily experience rather than mere abstract notions of what one is doing. La pornographie, non. Oh non, 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 non. Bonjour, nous sommes sur Philo TV et aujourd'hui deux petites choses, une petite recette rapide une petite recette italienne et ensuite de ça nous parlerons un peu, puisque nous sommes sur Philo TV, nous parlerons un peu de phénoménologie, sur les questions d'actualité, phénoménologie de la peur et puis on essaiera de parler d'un truc autour de la viralité dans un deuxième temps. Alors, premier temps, recette, pastancure. Enfin, pastancure est une spécialité sicilienne, spécialité extrêmement simple. Pasta asciutta, pâte sèche, une petite sauce très rapide avec 2-3 éléments très simples.
On en reparlera tout à l'heure. C'est une pâte qui se fait pendant le temps de la cuisson, c'est-à-dire l'eau chauffe, les pâtes cuisent, la sauce se fait. Alors, vous avez besoin pour ça d'une padella, une grande poêle, dans laquelle on va y mettre l'huile d'olive, on va y mettre des anchois à l'huile qui vont fondre, évidemment. On va y mettre quelques caprocelles, quelques raisins secs. Et on va y mettre deux choses importantes, origan sec. Si vous avez du frais, c'est bien, mais origan sec, c'est très bien. Une pincée de sel, peu, parce que les carpes sont salées. Et surtout, le plus important, la mentutina lanepitella, qui est une petite plante sauvage qui se récolte un peu partout en été et en Italie. Ça, vous mettez ça sur le feu. On va faire fondre légèrement. Et ensuite de ça, on y rajoutera une demi-boîte de tomates. Alors pendant que ça chauffe, 2-3 petits commentaires sur cette question prévue, question sur la phénoménologie de la peur. On est rentré dans un temps très particulier depuis maintenant plus de 5 semaines, temps de confinement autour d'une problématique qui est une sorte de crise sanitaire autour d'un objet invisible qui a été déclaré comme étant un objet de guerre par le président de la République. Et qui génère en fait ce qu'on pourrait appeler au sens traditionnel, c'est-à-dire au sens de la philosophie occidentale, un processus phénoménologique, une phénoménologie de la peur, c'est-à-dire qu'on construit un environnement propice à ce que nous générions une peur et une angoisse sur les airs. Alors d'abord parce que l'objet est invisible, du coup l'angoisse augmente, en augmentant aussi le nombre de contraintes, c'est-à-dire on augmente continuellement les contraintes sur le fait du confinement, sur le fait de l'interdiction de bouger, l'interdiction de sortir, l'interdiction ou les réductions en fait des processus qui sont les nôtres, processus de matériel et les processus vivants. Et puis aussi parce qu'on a déclaré en fait une sorte de suspension de l'État, une suspension des régimes de l'État, et qui génère ce que Giorgio Agamben appelait un tumultus, une crise majeure et qui va générer en fait un suspens du regard des institutions. Donc en fait on rentre dans trois systèmes qui vont générer une angoisse autour de ça. On entend par la même occasion le soffritto. Et on va juste y mettre la tomate et je reviens. Donc trois éléments autour de cette phénoménologie de la peur, une phénoménologie qui est donc propre à un objet invisible. Une peur propre à un objet invisible, une peur qui est liée en fait à une réduction de tout ce qui appartient à notre vivant et à notre vivant sensible, et enfin une augmentation sidérante des régimes politiques de la contrainte, et donc une réduction considérable de nos processus politiques. Ces trois objets généreraient pour nous une crise sensible qu'on pourrait nommer une crise liée à une phénoménologie de la peur ou la construction d'une phénoménologie de la peur. Il faudrait que nous ayons peur. Il faudrait que nous soyons liés à une peur continue, permanente, sur les régimes du vivant et qui nous laisse confiner chez nous et qui nous laisse nous replier sur nous dans des occupations qui ne sont pas celles du politique. On revient, je laisse cuire, on revient après pour la deuxième partie. Ciao! Rebonjour! On continue avec la recette. Donc on va faire l'assemblage, la sauce est prête, les pâtes sont cuites. Il suffit juste d'assembler les deux, vous assemblez la pâte avec les sauces. Et puis vous pouvez a priori à partir de ça manger. Vous avez votre la petite sauce qui est prête ici et dedans on va y ajouter évidemment les pâtes avec un tout petit peu d'eau de cuisson pour finir l'ensemble. Ensuite de ça vous les remuez et puis vous mangez. Hop là. Voilà. Et la pasta de curin est prête. Juste petite précision, pasta de curin se mange absolument sans fromage. Ça se mange nature comme ça, ou éventuellement avec un petit peu de pain grattugiato, pain toasté, gratté, ou une sorte de chapelure. Rien de plus. Moi, je le préconise de le manger directement comme ça, en rajoutant éventuellement un filet d'huile d'olive, et éventuellement quelques petites pluches de népidelle. Alors, je mets ça de côté, et on continue. Deuxième petit commentaire pour PhinoTV sur cette question de la viralité. Je l'avais annoncé, j'avais dit on parlerait de deux choses, donc phénoménologie de la peur et quelque chose autour d'une phénoménologie de la viralité. Le problème en fait, il est situé sur un truc assez étrange aujourd'hui, c'est qu'on est face à cet objet dont on a parlé tout à l'heure, une espèce d'objet invisible et inconnu,
qu'on nomme un virus, on sait très précisément qu'un virus est a priori quelque chose qui n'est pas exactement un être vivant. C'est une structure qui a besoin en fait d'un hôte pour pouvoir exister. C'est-à-dire à partir du moment où il se capte sur un hôte, qu'il peut exister et se modifier. Il y a tout un processus, qu'on appelle le processus de la viralité, qui est cette existence en fait, qui suppose en fait qu'un autre extérieur puisse donner forme ou donner une existence particulière à ce qui est en cours. Alors, ce qui me semble intéressant aujourd'hui, il y a plusieurs théoriciens qui ont commencé à travailler sur cette question, on travaille beaucoup sur cette question de la viralité. La viralité est un processus qui est en fait pas complètement idiot, c'est un processus qui est assez proche de nos manières avec lesquelles nous existons, une manière en fait d'aller chercher quelqu'un d'autre, une altérité, un autre, à partir duquel quelque chose va pouvoir émerger, quelque chose va pouvoir se partager. Alors évidemment, nous, c'est entre des êtres qui sont vivants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de considérer que a été déterminé comme étant l'ennemi, une forme particulière qui est cette forme du virus, et qui appartiendrait à ce qu'on appelle cette viralité. Or, il semblerait que le politique ait aujourd'hui une sorte d'exécration très profonde, une détestation ou une angoisse très forte et très profonde de ce que serait ce principe de la viralité, c'est-à-dire la nécessité que nous devions aller vers d'autres, la nécessité que nous ayons besoin de l'autre pour pouvoir exister et coexister. C'est ce principe étrange d'une coexistence qui est en train d'être coupée ou suspendue, à la fois par la question du confinement, mais aussi par cette question assez étrange que dans plus en plus de pays, l'Allemagne par exemple, est en train d'imaginer la fermeture pendant 18 mois de ces lieux publics, enfin de ces lieux de concert et de ces grands lieux publics. Donc quelque chose en fait qui est en train de réduire cette coexistentialité ou la nécessaire coexistentialité et qui serait propre au processus artistique. Donc moi, ce qui me semble être appartenir à cette fabrique de cette phénoménologie de la peur est une fabrique d'une peur ou d'une terreur de ces manières propres qui sont les nôtres avec lesquelles, en fait, nous avons besoin nécessairement du processus de viralité pour pouvoir exister, pour pouvoir créer. Donc c'est juste ça, tenir en compte deux choses, que d'une part, on construit une idéologie de la peur, c'est une construction qui est structurelle, fondatrice, et qui est extrêmement problématique, et que de l'autre côté, cette peur, elle est construite sur un régime très particulier qui est la détestation en fait du mode propre du vivant et du mode propre que le vivant a besoin en fait d'une coexistence, d'une coexistentialité avec d'autres êtres et d'autres espaces. Voilà, c'était ce petit commentaire que je voulais faire. Donc à la fois présenter cette recette qu'est la pasta anchiova, spécialité sicilienne, et faire ce double commentaire sur une phénoménologie de la peur, construction de cette phénoménologie de la peur idéologique, et une phénoménologie de la viralité qui est une sorte de relation très angoissée au pouvoir, à la puissance et à la gouvernance. Merci PhénoTV. Ciao. Again, to see your smile and hear your voice, and when those words inspire me once again, to see your smile and hear your voice, and let those words inspire me once again. Thank you.
a real body. What does I mean? Yeah, an eroticized body. What seems to me important about all the things I'm trying to get at in the pornography book is the engagement with actions that are outside of our intentions or in excess of our intentions and that produce effects in excess of them. Pornography? Oh, no. No, not pornography. No. Literary theorist Frances Ferguson and responders. La théoricienne littéraire Frances Ferguson et les respondants. What's the weather like? The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. We are affected by the weather. Nous sommes affectés par le temps qu'il fait. Siamo condizionati dal tempo che fa. Through the work of Thucydides in the 20th century, we see that a cow and a lungfish can be related, and that no longer matters that two organisms bear any actual physical resemblance to each other. The umwelt of the natural world we'd shared for so long ceases. Crocodiles and birds are together on a cladogram. If you want to have a group called fish, you need to include mammals, even humans. Cows as fish, humans as fish, or else there's no such thing as fish. Non c'è la categoria dei pesci. There's no such thing as fish. Il n'y a pas de poisson. The presenter. I don't want to hold you back in your thinking. So let's go. Man has structured, influenced, and written culture and knowledge through institutional discourses of exclusion. Who speaks? What can be said? Who it's delivered to? And where? The post-human, after-human, shows that we are in crisis. What it means to be human and why we no longer accept this as the dominant paradigm. Human has never been a neutral category. We're not all human in the same way. These discourses continue to represent fewer and fewer people, basically excluding so much that is not white European male. Race is an invention of Kalanas's categorization, a residue of outdated essentialist and hierarchical thinking. Linnaeus's still current subdivisions, devised in the 1730s, prevail. Homo sapien americanus, Homo africanus, Homo europaeus, and Homo asiaticus. Such was the knowledge of nature at the time that Linnaeus also included the categories Homo monstrosus, including exotic people, and Homo ferus, wild man. What this means is complex and requires a larger and more serious conversation than we might have here. Certainly there is a lot of anxiety attached to how we speak, what we say, and what we mean. Most of us are aware of how we speak individually, subliminally, and materially that is being fed back to us via our own contributions to algorithmic data collection, what we freely provide through Facebook, Instagram, and WhatsApp. What do we do to alleviate anxiety? Most likely consume. So, we're in a moment of convergence of the post-human, post-anthropos, transhuman, and so on. What this convergence brings into question is the idea of the human, and that human no longer represents or describes most of us or the conditions under which we live. There was something about being with the people in Anchorage that was so soulful. Usually when you make a video of a performance and watch it later, it seems like everything is missing. What was so different this time
when we went back to look at the files, everything was there. It was like everything that had happened could be revisited again. The next episode of Pheno TV will be around the concept of liveness. Presented by Pheno, produced by A Constructed World in collaboration with Creative Yuk. Ask him a question, interview him. Posez-lui une question, interviewez-le. Ponetegli una domanda, intervistatelo. Le prochain épisode de Pheno TV sera autour du concept de liveness. Talk to him by telepathy.